Je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Voici les meilleurs paramètres graphismes de Resident Evil 4 pour ma part. Alors quand vous êtes dans l'option dans caméra, tout en bas, vous avez flou cinétique et secousse de la caméra. Moi je vous conseille de mettre non, après vous faites ce que vous voulez. Euh, ensuite, dans priorité graphisme, moi j'ai mis frame rate, donc c'est pour les FPS. Ray tracing, j'ai mis oui. Mode HDR, j'ai mis non. Luminosité, regardez où est-ce qu'elle se trouve ma barre, essayez de mettre la même. Ensuite, quand vous cliquez sur X, vous avez d'autres paramètres, donc par exemple luminosité maximale. Essayez de mettre la barre au même emplacement que moi. Ensuite, pour luminosité minimale, ben, faites la même chose. Hein. Regardez où est ma barre. Et pour la luminosité en général, regardez où est ma barre. Et ensuite, vous ajustez en fonction de votre écran et votre, euh, votre choix. Présentation des dégâts réduite, j'ai mis. Opacité de l'HDU, euh, j'ai mis moyen. Euh, distorsion de lentilles, moi, je vous conseille de mettre non. Parce que ça distorce, enfin, ça, ça, déforme euh, l'image. Moi, j'aime pas trop. Et euh, profondeur de champ, j'ai mis non. Parce qu'en fait, quand vous visez quelque part, euh, le reste de, de l'écran va être flou. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand il y a du flou. Donc, j'ai mis non. Alors rendu à améliorer des cheveux j'ai mis oui comme ça vous jouez à un jeu next gen et pas un jeu ancien enfin voilà ça, ça, ça améliore les graphismes donc moi j'ai mis oui et pour l'espace de couleur j'ai mis RGB